Alors bonjour Anaïs, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu es en train de faire? Eh bien, je fais le découpage vidéo pour les coachs. En fait, c'est un peu le travail d'un assistant vidéo. Voilà, Shona qui, elle, fait toutes les vidéos. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de matchs tous les 3 jours. Donc, depuis l'année dernière, depuis l'arrivée de Shona, en fait, elle m'a délégué un peu avec Julie le fait de faire un match sur deux. Alors, Voilà, pour ce découpage, il consiste en quoi? ce découpage, en fait, j'analyse les équipes adverses. Ça veut dire que je note tout leur système, leur façon de jouer. Et après, moi, je coupe toutes les actions en attaque, par exemple. Donc, j'ai déjà analysé les systèmes préalablement. Donc, je sais où les taguer, entre guillemets. Et après, tout ça, c'est un travail de fond parce qu'il faut quand même couper beaucoup de matchs pour avoir un montage vidéo de 10 minutes de système adverse, par exemple. Donc, c'est vrai que je me base sur 5-6 matchs découpés pour faire mon montage, mais c'est mieux de couper tout et après de faire une sélection de matchs coupés. Et ça permet après au coach de montrer la vidéo aux joueuses pour qu'elle voit sur quoi l'équipe adverse joue, quoi. Alors ça, ce n'est qu'une partie de ton rôle d'assistant manager. Ouais. Quels sont les autres? Je pense que ce rôle en assistant manager, ça existe nulle part ailleurs. C'est D'accord. vraiment. Non, et puis c'est chouette parce que ça change de mon rôle vraiment administratif et j'aime vraiment ça. Et les coachs me font confiance donc c'est plutôt chouette. Après, assistant manager, c'est vraiment. Moi, je m'occupe de la vie de groupe, quoi. Par exemple, pour une bulle, j'organise avec mes collègues de Bourges, puisqu'on est à Bourges, tout le programme, le déroulement des journées, des entraînements, les horaires, les heures de repas. Voilà, après j'organise les déplacements plus simples, hein, quand on va à Nantes par exemple mercredi. Je m'occupe un peu de la vie de groupe pro, quoi.